Bonjour, bonjour, chers lecteurs de jeuxvideo.com, bienvenue dans ce gaming live de Contract Wars en compagnie de Glapi. Bonjour. Salut Glapi. Bonjour. Stagiaire, notre stagiaire de l'extrême, notre plus beau stagiaire actuel, qui est là encore pour 2 mois, 1 mois et demi, un an et des poussières, je crois. Un an et des poussières, ouais, carrément. Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va devoir te coltiner pendant encore un an. Non, 2 semaines. Deux semaines. Ah, ouf. Donc, Contract Wars, un petit FPS jouable sur navigateur. Tu nous le présentes tout de suite, c'est parti, on y va. Alors, Contract Wars, donc gratuit sur navigateur. Oui. Déjà, c'est important de le préciser. Alors, gratuit, mais attention. Gratuit, pas forcément. Donc là, en fait, je suis sur le menu principal du jeu. Oui, c'est un petit peu bizarre comme façon de présenter les choses. Donc là, on a accès donc, à un inventaire d'armes. Donc, déjà, pour commencer, ce jeu est accessible sur le site officiel du jeu. Tout simplement, voilà, contractwars.com. Voilà, où ils vous donneront en fait des liens de plusieurs sites où vous pourrez jouer sur ce jeu. Et donc, pour en revenir à ce menu, donc là, en fait, on peut en fait, dans ce jeu, débloquer des armes en les achetant, alors soit avec des crédits, soit avec des GP, donc les Gold Points. J'ai très bien dit, d'ailleurs. Ouais. Donc là, bon, j'en ai pas déverrouillé beaucoup hein, pour les besoins de CGL. Et alors, là, les gold points, donc on en a quand on fait son compte, on en a de base. Mais alors, le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, pour avoir des gold points, il faut en acheter. Voilà, faut dépenser, donc, voilà, il faut dépenser de l'argent, voilà, réel. Il faut dépenser de l'argent réel. Donc voilà, il y a certaines armes, par exemple, comme celle-ci, qu'on ne peut pas débloquer gratuitement. Enfin, on peut, puisqu'on a de l'argent de base, mais après, on ne peut plus. Voilà, oui, quoi, ou alors, est-ce qu'on on regagne des gold points en jouant? Alors, pour l'instant, j'ai pas réussi à en regagner en jouant. Peut-être que je n'ai pas joué suffisamment, hein, je veux dire, c'est possible. Et donc aussi, la deuxième chose qui est plutôt pas mal mauvaise dans ce jeu, c'est très français ce que je viens de dire, c'est voilà, en fait, quand vous débloquez une arme, vous voyez, donc il y a marqué 30, 230 ici. Mais en fait, 30, c'est pour la débloquer, en fait, une journée, vous dépensez donc 30 gold points. Ah Et si vous oui! voulez dépenser 30 un mois, vous dépensez 230. En Oui. revanche, si vous voulez la débloquer pour toujours, c'est 355 Ouais, gold alors points. effectivement, alors je trouve que le principe est pas trop dégueu, c'est-à-dire que ça te permet Voilà. de enfin pas trop dégueu, oui et non. Disons que voilà, au moins tu vas pas débloquer, acheter, payer avec de l'argent réel une arme qu'au final tu n'aimeras pas parce que tu as la possibilité de la tester. Ça aurait été Voilà. mieux de pouvoir la tester quand même, soit avec les crédits ou soit gratuitement quand même. Ça aurait été quand même Voilà, beaucoup c'est plus ça. appréciable. Maintenant, c'est vrai que je trouve que c'est quand même mal présenté parce que moi sur le coup je croyais que ça coûtait 30 000 et quelques gold points, Bah, c'est ça, très voilà, c'est sincèrement. que c'est pas, voilà, c'est vraiment pas, C'est pas super clair. c'est pas très clair, surtout quand on arrive qu'on connaît pas trop. Et puis bon, c'est pas très cool. Enfin bon, après, il faut bien gagner de l'argent, hein. Oui. Non, mais Donc, encore une fois, le principe de pouvoir tester, pourquoi pas, mais ouais, là, c'est voilà, c'est vrai que ça, c'est que là, on le peut pas faire la payer tester, en ouais. plus pour tester, c'est. C'est ça, voilà. Donc Bon. après, bon. Donc pareil pour les points d'X, enfin pour les petites améliorations. Donc on peut faire en fait, on peut débloquer des compétences, Ouais. hein. Mais alors là, pareil, hein, que les armes, c'est-à-dire qu'on peut pas les débloquer pour toujours, hein. On a forcément Ouais. un certain nombre de jours limités. Donc là, pareil, sauf que là, cette fois-ci, les compétences, on ne peut pas les débloquer du tout pour toujours. C'est Ouais. maximum un mois. D'accord. Ouais, donc faut bien choisir, hein. Ouais, effectivement. Par contre, chose de bien, c'est qu'on peut gagner par contre des crédits en remplissant des contrats. Donc ici, Ouais. voilà, on a 18h35 pour remplir Les contrats qui voilà, sont les contrats qui affichés. sont là. Donc ça peut Ouais. être tuer tant d'ennemis en faisant telle chose, Ouais. mettre des headshots, enfin voilà, hein, des petites choses classiques. Et il y a quand même des armes, par contre, disons-le, des armes quand même qui sont gratuitement débloquables uniquement avec des crédits que l'on peut gagner en remplissant des contrats ou simplement en jouant D'accord. beaucoup, voilà. Pareil ici, OK. donc voilà. Et ici, donc c'est aussi d'autres armes que je n'ai pas débloquées, mais dont on peut avoir accès. Donc il y a pas mal d'armes, mais il faut jouer, il faut les débloquer, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça OK. le principe. Et bon, si vous êtes impatient, vous mettrez forcément la main au portefeuille si vous aimez ce jeu. Donc, Est-ce que tu vas nous montrer une partie quand même, je suppose? ben oui, je pense que tout le monde s'impatiente derrière son Exactement. écran. Donc je vais faire un petit quick match. Allez, c'est Hop. parti. On y Alors, va. Du coup, le quick match, je suppose que tu ne peux go. pas choisir. Enfin, si, tu peux peut-être filtrer pour dire je veux pas tel mode ou tel mode. Il y a combien de modes de jeu d'ailleurs Alors, il y a quatre modes de jeu. Ouais. Donc, le deathmatch classique, le team élimination, donc Ouais. voilà, une team. Et après, donc, une target désignation. Donc, en fait, target désignation, on entend déjà, ça fait feu. Une target désignation, donc, en fait, c'est il y a les joueurs qui votent pour un joueur, Une cible? pour une cible. Ouais.
dans chaque équipe. Et le but, ça va être de dégommer donc, le joueur cible pour avoir le maximum de points et remporter des manches. Et le dernier, le Tactical Conquest. Donc ça, en fait, il y a 3 points sur une grande map, assez grande hein, quand même. Et vous devrez en fait simplement donc, capturer les points. D'accord. Voilà, bon, ça c'est du classique. C'est du classique, oui. Ok. C'est du très classique, mais c'est chouette d'avoir tout ça quand même pour un petit jeu gratuit sur navigateur. Ouais. Donc voilà, donc là, l'USEC ou les bières. Donc bon, moi, avec mon magnifique accent anglais, je ne vais faire un auto-select. Allez. J'ai pas de choix. Donc voilà, ça, c'est. Donc, il y a, au niveau des maps, là, on en a une, mais il y en a 20 différentes. D'accord. Donc, ça fait quand même pas mal. Et là, tu dois appuyer sur le bouton gauche de la souris pour commencer. Voilà, c'est ça. J'ai juste 2 tensions, 3 de pression, donc désolé. Voilà, alors, donc là, je me balade. Comme j'ai fait un quick load, je ne sais pas du tout dans quel type de partie je suis. Donc déjà, je vois que j'ai des équipiers, donc ça va être peut-être un petit minus. Ça doit être marqué quelque part quand même, parce que là, du coup, c'est un peu ballot. J'ai pas cherché. C'est un petit peu ballot. Ah oui, c'est une target désignation. Pardon. Ok. Target désignation, donc sur la map, on voit, il y a notre chef là-bas. Ouais. Voilà. Donc je suis complètement à l'opposé. Qui est en vert, c'est ça ou Alors là, il est en rouge. Ouais, c'est ça, qui est en rouge. Là, donc on va y aller. Alors, chose curieuse, donc on peut configurer les touches, mais on ne peut pas courir. On n'a pas la touche mage qui est attribuée pour courir par défaut. Ah ouais. Voilà. Ouais, effectivement. Donc là, voilà. On dirait que je marche, mais non, je cours. Hein. Je cours. Ouais, il y a pas différentes cadences de déplacement en fait. Tu ne fais que courir en permanence. On peut marcher là, je marche par exemple. D'accord. Ok. Ouh, il a pas compris. Oula. Oui, là, je suis un peu tombé dans le guet-apens. Ouais, je suis un peu jeté. T'es un peu, t'as été un pris en sandwich, j'ai l'impression. Quelqu'un qui t'habitait par derrière. Ouais, j'étais un peu à la place du jambon. Ouais. Je pense que là, c'est pas très très cool. Oui, non, c'est pas cool de sa part. Il aurait pu quand même me laisser. Elles sont pas très grandes. Enfin, là, en tout cas, la map, elle est plutôt petite. Il y a des maps plus grandes. Hein. Je dirais même très petite. Après, tu me diras, ça va aussi avec le mode de jeu. Hein. D'ailleurs, on peut jouer à combien contre combien au maximum ça, par contre, c'est vrai. Je crois qu'on peut jouer jusqu'à. J'ai vu jusqu'à 16 déjà. D'accord. 16, donc. Donc forcément, là, je pense que 16, la map sera déjà. Voilà, c'est ça. La map est déjà plus grande. Il me semble qu'on peut en avoir plus. D'accord. Hop là. Ça, c'est fait. Alors. C'est les nombres de crédits que tu débloques, ça, le petit chiffre qui est apparu. Voilà, c'est ça. Alors, lui, il devait être bien amoché parce que j'ai pas eu beaucoup de crédits. Mais alors, c'est pas les crédits, c'est des points qui te permettent d'avoir des crédits donc à la fin de la partie. Ah, ok. Donc, il faut quand même. Alors, ça aussi, c'est vraiment très, très rigolo. Il faut quand même finir la partie pour avoir vraiment beaucoup de crédits. C'est un peu la carotte qui t'oblige à jouer, quoi, les crédits. Parce que, bon, si on veut pas dépenser qu'on a des oursins dans les poches, le mieux, c'est encore de. C'est encore de débloquer les crédits. Il n'y a pas de rage quit, il y a pas de. Les mecs, s'ils veulent avoir leur crédit, il faut qu'ils finissent la partie. S'ils veulent avoir beaucoup de crédits, ouais, il faut qu'ils finissent la partie. C'est pas plus mal, quelque part, je trouve. Est-ce qu'il y a différentes classes de personnages en fonction de ce qu'on choisit? On a des armes, un armement différent ou des compétences différentes? Il y a des classes de personnages, effectivement. Ouais. Le fourbe. Voilà. T'es un petit peu lent, là, quand même. Hein, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Là, aujourd'hui, je suis pas en forme. Il faut que je prenne un petit café, je reviens. tu prends la suite. Au niveau des classes de personnages, oui, il y a plusieurs classes de personnages, mais qu'est-ce que. Là, par contre, en plus, on voit même pas d'où il t'a attiré. On a vraiment très peu de PV. C'est vraiment très radical dans le jeu. C'est à la rigueur, c'est pas plus mal. Au moins, on n'est pas dans le code, quoi. Voilà, bon, après, le code. je pense qu'il y a. Après, il y a les plus et les moins, hein, et du bon et du mauvais dans le tout. Ah oui, tout à fait. Après, là, c'est vraiment très primitif. Quand on se prend une balle. Cela dit, il y a des modes hardcore dans code qui permet de pallier ce souci de. Après, c'est vrai que moi, souci entre guillemets de PV. Donc bon. Là, je suis plus après Planet Side 2, moi, dans l'idée de. Ouais. Il a survécu. Là, sur le coup. Je suis très mauvais aujourd'hui, hein, là, honnêtement. Ah, écoute, c'est l'effet Gaming Live, on le connaît tous. C'est vrai, ouais, c'est on ça. On le connaît tous. Tout le monde le critique, et finalement, quand après quelqu'un fait un Gaming Live pas forcément pour la première fois, mais commence à faire des Gaming Live, on se rend compte qu'il existe bel et bien cet effet Gaming Live. Et oui, ça, là, l'effet Gaming Live. Oui, mais alors là, par contre, c'est vrai que. Je me démerde très mal. Pour en revenir, oui, donc je disais, je joue beaucoup plus à Planet Side 2 dans l'idée des FPS. Mais c'est vrai que, donc je salue le forum au passage, mais c'est vrai qu'après, mais mon Dieu, mais ils s'échappent tous, ce sont de vraies anguilles aujourd'hui. Je vais la voir. C'est vrai que par contre, les déplacements sont un peu chelous, en fait. On a envie de courir. Voilà, c'est vraiment, ça. C'est vraiment handicapant, les déplacements. Même pour monter l'échelle, je suis obligé de sauter. Ah ouais, non, mais là c'est un peu.
C'est un peu laborieux quand même, parce que du coup, quand même, dans un FPS, tu prends 20 secondes pour monter une échelle, t'as le temps de te faire buter 10 fois. Quoi. Ah oui, c'est pour ça que ici, il vaut mieux pas trop monter à l'échelle comme j'ai fait là. Ça, c'est, ouais, c'est mais c'est un peu con du coup, parce que tu perds la position stratégique et la verticalité, donc enfin, c'est un peu con quoi. Hop, ça y est, je retrouve mon jeu. Bah oui, c'est ça, c'est en fait. Bon, après, peut-être qu'ils vont le débloquer, ils vont peut-être le développer. Voilà, en futur, parce que ce sont des jeux, encore une fois, qui probablement sont soumis à des développements réguliers pour pallier la gratuité et améliorer l'expérience de jeu et fidéliser les joueurs parce que voilà. Et après, graphiquement, c'est quand même très joli. Hein. C'est toujours Unity comme moteur. J'avais déjà fait un très joli pour un jeu gratuit. Je m'entends, hein. Bien sûr, oui. Il existe plus joli. Oui. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même pas mal pour un jeu gratuit. On va dire que c'est pas trollé. Pas trollé. Pas de troll. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Effectivement, il y a pire, hein, on est d'accord. Voilà, c'est ça, il y a pire. En même temps, il y a toujours pire. Il y a pire. Après, peut-être que je ne suis pas au maximum des graphismes. J'ai pas regardé les configurations, les peut-être voilà, sur cet ordinateur. Normalement, je devrais l'être. Ouais. Bon, après comme c'est un jeu gratuit, hein, moi, à chaque fois, je vous invite à aller découvrir le jeu de par vous-même. La part derrière comme un gros. Ouais. J'allais dire que tu commençais à tourner un petit peu en rond. Et voilà, c'est ça, je les cherche. On voyait personne. Je les cherche. Il y a des coups de couteau ou des coups de crosse ou pas? Alors oui, s'il a gardé ma configuration au clavier. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, après, il faut. Ah, et il n'y a pas de friendly fire apparemment. Il n'y a pas de friendly fire, mais comme on va lentement après le couteau, bon, voilà, je ne m'amuse pas trop. Soit. Voilà. C'est pas faux. Voilà, c'est ça. Alors, et du coup, là, dans ce mode, ça se termine quand? Il y a un seuil de points à atteindre? Voilà, il y a un seuil de points, là. Il y a un seuil de points à atteindre, exactement, quand on arrive au point. Après, donc, on a nos fameux crédits. D'accord. Que nous attendions tous avec impatience. Et je suppose qu'il y a aussi un timer. Oui, d'ailleurs, on le voit sous la map. Il y a un timer et une fois qu'il est écoulé, c'est l'équipe qui a le plus gros score qui gagne. En toute logique. En toute logique, voilà. Celui qui a eu son roi, enfin, son chef d'équipe, sa cible désignée, la moins tuée. La moins tuée. J'en ai eu deux et puis je me suis fait avoir. Ouais, tu t'es fait avoir. Voilà. Effectivement. Donc, hop, voilà. Est-ce que tu peux changer de... Non, apparemment pas. Tu peux pas changer d'arme en cours de partie. Alors, une fois que t'es mort, tu te dis, ah non, tiens, je vais choisir plutôt telle arme pour... Alors, non, c'est vraiment, on a le... Après, on peut... Tout se fait en début, enfin, avant le lancement de la partie, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, on peut changer, on peut aller dans les options en fait. Hein, très bien. On peut aller dans les options, bon là je vais pas le montrer. Oui, parce que pour la petite histoire, effectivement, étant donné que c'est sur un navigateur, il y a un petit souci quand on part dans les options, on perd le plein écran et donc du coup c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de montrer. Voilà. Mais c'est possible en tout cas. Voilà, c'était le but de la question. Voilà, là je les ai fusillés, comme tu vois, j'ai retrouvé mon skill. Ce qui explique mon skill aussi, d'antan. Ce qui explique aussi pourquoi tu as commencé sur les menus. Pour pas avoir à quitter le jeu en pleine partie. Voilà. C'est ça, voilà, exactement. Et là, j'ai retrouvé mon skill d'enfoncé. J'enchaîne les... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un tremblement de terre? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je me suis dit, tiens, tu t'es en train de faire un effet de style, t'es fier c'est de ça, toi. Bah, ouais, c'est ça. Mais non. Bah non, en non, fait, non. Hop là. Là, je suis donc... hop, j'ai dansé tout à l'heure. Je sais pas si on a remarqué ma magnifique gigue. J'étais en train de me faire canarder par des mecs et j'ai survécu. Bon là je pense qu'on a une petite dernière fusillade et je pense qu'on aura fait le tour du jeu. Regarde-moi ce... Ouais. ce camouflage. Ce fourbe. Ce fourbe. Ce que j'allais te demander truand. Du coup si t'avais quelque chose à rajouter. Écoute, là je pense qu'on a fait le tour. Après je vais laisser quand même découvrir... C'est un pote, voilà. Heureusement qu'il n'y a pas de friendly fire. Je t'ai dit, je me suis réveillé là. Donc, du coup je tire même sur les amis là. Ok. Mais écoute, mon cher Glapi, merci beaucoup pour cette présentation. Je me balade sans regarder l'écran. Sans regarder l'écran. De Contract Wars, donc un petit FPS gratuit sur navigateur que tu nous invites à tester parce que ma foi, il est gratuit. C'est donc, ça. On peut toujours tenter pour voir ce que ça donne. Laurent, merci beaucoup pour cette présentation. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur jeuxvideo.com. Ciao, ciao.